chute du cours du pétrole, baisse sur le prix du fioul domestique, baisse également dans les stations-service françaises, en moyenne moins 3 centimes d'euros par litre pour les carburants routiers. Maïva Damoy, Alain Locascio et Arantxa Beldereyn. C'est un plein qui redonne le sourire aux automobilistes. Le prix du carburant a baissé à la pompe. Je fais l'équivalent de 150 à 200 km par jour. Donc oui, 6 centimes du litre, ouais, c'est pas mal. Ouais. La fin du mois, ça fait quand même deux pleins par mois. Ça fait 8 quelques économies, une dizaine d'euros d'économies. Le gazole a perdu 3 centimes en une semaine et 12 centimes depuis janvier. Moins 8 centimes également pour le sans-plomb 95. À l'origine de cette baisse, la chute de consommation du pétrole, notamment en Chine, à cause du coronavirus. À cela s'ajoute un désaccord entre la Russie et l'Arabie Saoudite sur la stratégie à adopter pour soutenir le prix du baril. Le résultat, les prix du baril de pétrole Brent, qui était encore vendredi soir à 45 $, sont aujourd'hui aux alentours de 35 $ et vont probablement aller encore un peu plus bas. Le prix du baril détermine aussi les tarifs du fioul domestique. En janvier, les 1000 litres coûtaient 950 euros contre 800 aujourd'hui. Une baisse qui pourrait durer, selon ce spécialiste. Et on s'attend à ce qu'on soit aux alentours de 750 euros d'ici fin de semaine. Une baisse des tarifs du fioul inédite depuis 2012.